Je m'appelle Marinette, une fille comme les autres. Mais quand le destin me choisit pour lutter contre les forces du mal, je deviens Miraculous Lady Mer. Miraculous, porte de bonheur, Lady magique, il est des chances. Miraculous, Lady du cœur, être héroïque en cas d'urgence. Miraculous. Mon bon vieux Bob, c'est toujours un plaisir de te voir. Et tu nous as amené ce cher petit Xavier Yves. Je préfère qu'on m'appelle XY si vous voulez bien, monsieur le maire. Xavier Yves, ça fait un peu trop... XY, bien sûr. Le célèbre DJ XY. C'est un honneur pour le restaurant du palace de recevoir un aussi grand artiste et son papa manager. Ça veut dire que le dîner est gratuit? Non, je plaisante, André. Oh, tu es incroyable, Bob. Toujours aussi farceur, hein. Je vous laisse et vous souhaite un bon appétit. J'aurais essayé. Bon, il faut qu'on discute de cette émission spéciale que tu vas faire à la télé. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais elle est essentielle pour ta promotion. Tu as de nouvelles choses à me faire écouter, de nouvelles idées. Bah non, papa, tu me connais, tu sais que j'ai jamais d'idées. Bon, fais-moi écouter ce que tu as copié, ce que tu nous as pondu cette année. C'est la même chose que l'an dernier, non? Ah ouais, je me suis copié moi-même, on dirait. Ça fait rien, personne ne le remarquera de toute façon. Ce qui compte, c'est l'image. Est-ce que tu as des visuels à me montrer? Un concept? Un quoi? T'inquiète pas, je vais appliquer pour toi la méthode qui a fait ma fortune et ma renommée. Si tu as cours d'idées originales, tu n'as qu'à emprunter celle des autres. Nous cherchons de nouveaux talents. Un groupe créatif visuellement et musicalement. De la nouveauté, de l'originalité, avec un style jamais vu jusqu'ici et qui plaira à tout le monde. Vous avez 2 semaines pour envoyer vos vidéos. C'est exactement ce qu'il faut pour faire connaître la musique de Kitty Section. Avec tes costumes de scène, Marinette. Si on s'y met tous, 2 semaines, c'est bien assez pour faire une super vidéo. Alors, vous êtes partants, les amis? Oh oui, carrément! Kitty Section! C'était fantastique, on est vraiment dedans, hein. La chanson est tellement sincère. Alors Marinette, toujours pas de nouvelles du concours? Peut-être qu'ils n'ont pas aimé la chanson. Ils ont dû recevoir plein de vidéos et ils n'ont pas encore choisi le vainqueur, c'est tout. Oh oh, vous feriez bien de venir regarder ça. Tu as vraiment fait très fort cette fois. Où est-ce que tu as déniché un style aussi original? Eh ben, tout est là-dedans, Alec. Eh, attendez, ce style original, c'est le nôtre. C'est ta licorne et ton masque. Il a repris ta mélodie. C'est aussi votre musique. C'est pas juste. Ça devrait être vous à la télé, pas ce copieur. Il y a sûrement une explication. Allons demander des comptes à Bob Ross et XY. Ils ne sont pas ici pour l'instant. Vous plaisantez? On les voit en direct sur l'écran géant. Interdiction d'entrée. Vous n'avez pas d'invitation et le show est en cours. Mais c'est notre musique et nos costumes. Et ce n'est pas notre problème. Au secours! Le copain est traumatisé! Lady Magasinoir sont pas là pour nous sauver! Les enfants, c'est ridicule, on n'y croit pas une seconde. On doit faire notre travail, nous. Alors arrêtez votre comédie et rentrez chez vous. Wow, XY, c'était impressionnant. Bien meilleur que ton disque précédent. C'est de loin ton meilleur titre. Mais dis-moi, où est-ce que tu es allé chercher toutes ces trouvailles? Oh, tu sais, y a rien d'extraordinaire, Alec. Tout ça m'est venu en moins de 5 minutes. 5 minutes? Il a même pas été fichu de chanter correctement. Et son masque est une très mauvaise copie.
Monsieur Ross, je suis Marinette Dupin-Cheng. C'est moi qui vous ai envoyé la vidéo du groupe Kitty Section. Vidéo? Quelle vidéo? Je ne vois pas de quoi tu parles, petite. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Regardez, les costumes, les masques, la mélodie, les chorégraphies, c'est la même chose. Non, ça n'a rien à voir. Ce que je vois là, c'est un pauvre groupe d'amateurs. Mon fils, lui, est un artiste solo. Vous, il y a des instruments. Lui, sa musique est faite par ordinateur. Notre licorne est bien plus belle. Et nos masques ne ressemblent pas aux vôtres. C'est pas vrai. Vous avez copié les costumes de Marinette. Et c'est exactement la même chanson. Vous avez volé la musique de Lucas. Oh là là. Eh, faut pas exagérer non plus. On s'en est peut-être un peu inspiré. Voilà tout. Inspiré? Vous avez tout volé, oui? Vous avez même pas créé ce masque! C'est Marinette! Écoutez, il est encore temps d'arranger les choses. Vous n'avez qu'à dire la vérité et laisser Kitty Section apparaître dans l'émission. C'est tout ce qu'on vous demande. Bien sûr, ça commence par vouloir apparaître dans l'émission et après ça exige une part des bénéfices. Pas question, on n'a jamais vu votre vidéo. Oh, tant pis! Marinette, c'est pas grave. Viens, on s'en va. Non, c'est pas normal! Pas question qu'on vole le travail de mes amis! Hein? Vous ne voulez pas dire la vérité? Moi, je vais le faire. Tout de suite, en direct à la télé. Vous allez voir. Si tu fais ça, je leur dirai que c'est toi la copieuse. Et pas moi. J'ai toute l'industrie musicale qui me mange dans la main. À ton avis, qui ils vont croire? Bob Ross ou un groupe inconnu au bataillon? Plus personne ne te fera confiance. Tu ne feras plus jamais un seul costume. Et tes amis pourront dire adieu à leur petite carrière musicale. Parce qu'aux yeux de tout le monde, ma petite, ce sera vous qui aurez copié mon fils. Je capte une émotion d'une grande rareté. La colère du créateur dont l'œuvre a été volée par un individu peu scrupuleux et qui en plus ne supporte pas que l'on fasse souffrir celle dont il est amoureux. Va, petit Akuma, et noircis donc cette âme au cœur pur. Tu ne dis plus rien. On fait moins la maligne d'un coup. Silence. Je suis le papillon. Cet homme est la voix du mal. C'est pourquoi je te donne le pouvoir de le faire taire une bonne fois pour toutes. Tout ce que je te demande en échange, ce sont les miraculous de Ladybug et Chat Noir. Es-tu prêt à accepter mon marché, Silence? Je vais prendre ton silence pour un oui. C'est bien fait pour toi! T'avais qu'à imaginer des costumes plus faciles à copier et... Moi le meilleur! Je suis riche! Personne m'arrive à la cheville! Tu crains rien, Marinette. Je te ferai aucun mal. Grâce au pouvoir que m'a donné le papillon, je vais rétablir la justice. Je forcerai Bob Ross à avouer ce qu'il a fait à toi et à Kitty Section. Ne fais pas ça, Lucas. Ce serait de la vengeance, pas de la justice. Si tu t'associes avec le papillon, tu devras affronter Chat Noir et Ladybug. Chat Noir et Ladybug? Où étaient-ils quand on avait besoin d'eux, hein? Désormais, c'est moi, Silence, qui vais faire la loi du silence. T'es une fille extraordinaire, Marinette. Claire comme une note de musique, sincère comme une mélodie. T'es la chanson que j'entends dans ma tête depuis notre première rencontre. Je ne laisserai personne te faire du mal. Quoi? Ça ressemblait à une déclaration d'amour, non? J'ai l'impression, oui, même si c'est bizarre, de la part d'un vilain. Peut-être que ce sont les sentiments de Lucas. Tu crois? Concentre-toi, Marinette. Tiki, transforme-moi. Tu peux pas m'échapper, Bob Ross! Et je te forcerai à dire la vérité en direct à la télévision! Ne me touche pas! Je te préviens, j'ai le bras long! Je vais appeler le maire bourgeois! Et il va envoyer la police me sauver! Et même l'armée s'il le faut! Je ne peux pas te laisser faire ça, Silence! Ah bah quand même, c'est pas trop tôt! Qu'est-ce que tu attends au travail? Écoute, Lucas, je veux dire... Silence, tu ne sais pas ce que tu fais. Le papillon est maléfique, tu crois utiliser ton pouvoir pour le bien, mais c'est faux. Du nerf, arrête de discuter et protège-moi. Je te libère du mal. Tu as assez fait de mal comme ça, petit Akuma. Désolé, Ladybug, mais que veux-tu? Ce sont les risques du métier. Sans rancune, hein, parfois. Tu n'aurais pas dû te mettre en travers de ma route, Ladybug.
cette fois, tu vas devoir faire sans ton Lucky Charm. Il te faudrait ta voix pour ça. Et malheureusement, c'est moi qui l'ai. Tu peux toujours courir, Ladybug, mais tu ne m'échapperas pas longtemps. Je te retrouverai. Ne la laisse pas s'enfuir, Silence. C'est le moment de l'attraper. Ne t'en fais pas, papillon. Maintenant que j'ai la voix de Ladybug, j'ai un plan pour m'emparer de son Miraculous et de celui de Chat Noir. Mais d'abord, ma vengeance. Adrien, viens voir ça! Qu'est-ce qu'il y a? Ladybug? On dirait bien qu'on a un problème. Plaque, transforme-moi! Miaou, ma lady m'envoie les messages sûrement pour dire que je lui manque. Cache, Babross, je dois reconnaître que tu es doué pour ça. Mais tu ne m'échapperas pas. Figure-toi que pour toi aussi, j'ai un plan. Salut, je suis là, Malady. Plus la peine de m'envoyer des messages, tu peux me parler. Hein? Bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Mais c'est pas très gentil. Tu as raison. Allons-y. On va lui reprendre ta voix et le mettre hors d'état de nuire. Là, je donne ma langue au chat. Je ne comprends pas le message. On a un gros problème. Je ne peux pas faire appel à mon Lucky Charm ni dire Miraculous Ladybug. C'est vrai que c'est très embêtant, ça. Les coccinelles magiques ne pourront pas réparer les dégâts causés par Silence. Et tu ne peux pas dire la formule de détransformation. Ça veut dire que tu seras une Ladybug muette pour le reste de ta vie. D'un certain côté, ça a ses avantages. Tu ne te moqueras plus de mon humour. Aïe! Je plaisante, Malady. Ne t'en fais pas, tu finis toujours par trouver une solution. Et en attendant, je vais pouvoir donner de la voix. Fichez-moi le camp, bande de rongeurs dégoûtants! André, André, c'est moi. Il faut que tu m'envoies la police. Aucun problème, Bob. Dis-moi où tu te trouves et je m'occupe de tout. L'endroit de Paris dans lequel tu n'as sûrement jamais mis les pieds. Les égouts. Ne t'en fais pas, j'envoie tout de suite la police. Ici, monsieur le maire. Passez-moi l'agent Roger, s'il vous plaît. Peut-être que je pourrais tenter d'imiter ta voix. Lucky Charm, Lucky Charm, Lucky Charm, Lucky Charm. J'ai compris, c'est bon, je me tais maintenant. Un chat dans la gorge? Non. Une soirée à l'opéra? Non. Tu veux faire dire les mots Lucky Charm à Silence avec la voix qu'il t'a volée? Mais c'est une brillante idée! Dis-moi, comment tu vas t'y prendre? N'y pense même pas, ça ne marchera jamais! Ouais, tu n'as pas tort, on n'a pas vraiment le choix. Je vous remercie, agent Roger. C'est beau de voir une police dévouée à ses citoyens. Vous êtes en état d'arrestation, monsieur Ross. Quoi? Vous faites une grave erreur. Attendez, attendez, où est-ce qu'on va? Ordre du maire. Monsieur Bourgeois et moi sommes amis depuis très longtemps et... Oui, nous arrivons, monsieur le maire. Je vous remercie, agent Roger. Vous êtes qui, vous? À vos ordres, monsieur le maire. Protéger, servir, ne jamais sauter de repas. Toujours bien se brosser les dents. Non, lâchez-moi. Je pourrais facilement prendre ta voix, Babross, et te faire dire tout ce qui me plaît. Mais ce n'est pas ce que je veux, non. Ce que je veux, c'est que tu avoues toi-même ce que tu as fait à Marinette et à ses amis. Jamais. Je préfère encore devenir muet. Tu crois vraiment que je ne peux pas t'y obliger? Écoute, je peux ruiner ta réputation tout comme tu as menacé Marinette de le faire. Tout le showbiz me connaît, Bob Ross. Je ferai en sorte que tu n'aies plus aucun ami dans le milieu. Je te mettrai en prison. Je ne chanterai plus pour toi, papa. Tu ne gagneras plus d'argent avec ma musique. Nous ferons de ta vie un cauchemar, Bob Ross. Non, stop. D'accord, je vais le faire. Je vais dire la vérité.
Chers téléspectateurs, nous reprenons cette émission avec une interview exclusive de Bob Ross qui a... Attends, Malédie, on n'est pas obligé de mettre ton plan fou à exécution tout de suite. On pourrait attendre que Bob Ross dise la vérité. Ce serait faire justice aux Kitty Sections, tu ne crois pas? Ça serait de la vengeance, pas de la justice, et dire la vérité sous la contrainte, ça ne compte pas. Oui, tu as raison, tu n'es pas marrante, mais je suis d'accord. Il faut qu'on le sauve. Salut! On n'est pas obligé de prendre l'antenne, autant s'amuser un peu. Lève-toi de ce qui te regarde ou je te ferai taire à jamais. Ce serait dommage, je suis tellement hilarant. Où est-il passé? Dis-donc, Ladybug, il va falloir se remuer un peu et nous débarrasser de ce super vilain. C'est ton travail et celui de Chat Noir, là. Enfin bon, au final, tout ça, c'est la faute de ces gamins, Kitty, machin, un truc. S'ils n'avaient pas fait les malins avec leur soi-disant idée volée, rien de tout ça ne serait arrivé. Oh non! J'ai perdu la trace de Ladybug! Comment m'en sortir sans elle? Chat Noir, je suis ici! Tu m'entends? Malédie, si tu as retrouvé ta voix, ça veut dire que tu as battu silence et que je vais enfin pouvoir te retrouver. Oui, bien, il n'y a plus de danger. Je t'attends à l'entrée du plateau de tournage. D'accord, j'arrive. Rendez-vous à l'entrée du plateau de tournage. Mais vous êtes complètement nuls comme super-héros, tous les deux. C'est idiot d'expliquer votre plan aux méchants. Et c'est quoi ce Lucky Charm bidon? Moi qui croyais que c'était censé être un objet magique, mais en réalité, c'est juste un vulgaire trucage. Tu en as mis du temps. Quelque chose t'a retenu? Tu croyais que tu nous avais battus, silence. Mais tu t'es trompé. Ladybug a encore son super pouvoir. Mais impossible. J'ai pris ta voix. Comment as-tu pu lancer ton... le Lucky Charm? Ouais, je vois pas trop en quoi c'est plus utile qu'une lampe. Mais bon, au moins, c'est un vrai Lucky Charm. Je te préviens, l'ami, avec Ladybug, tu n'auras jamais le dernier mot! Tiens, Malédie! Quand le chat n'est pas là, le coccinelle danse. Papa, on est en dehors de ce que danse, pas vous ordre, monsieur Mère. Je vous demande de vous arrêter. Les gars, c'est même pas possible, papa. Tu as assez fait de mal comme ça, petit Akuma. Je te libère du mal. Je t'ai eu. Bye bye, petit papillon. Tu avais raison, ce terrain a aussi ses avantages. Miraculous Ladybug! Rendez-nous nos voix en vitesse! Ah, j'aime mieux ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été akumatisé. Mais tout est rentré dans l'ordre. C'est un scandale, Ladybug. Tu m'as ficelé comme un rôti et enfermé dans une loge, moi, Bob Ross. Moi? J'ai fait ça. Ça me ressemble pas du tout. La coccinelle et le chaton U. Bien fait pour toi. Qu'est-ce que tu croyais? Que j'allais dire à tout le monde la vérité? Que j'ai volé la chanson des Kitty Sections et les costumes de scène de ta copine pour les filer à mon imbécile de fils? Oh. Tu ne t'attendais pas à ce que les super-héros viennent me sauver la mise, pas vrai? Eh ouais, parce qu'ils bossent pour Bobby. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous avez tous à sourire tout d'un coup? On sourit parce que vous êtes à l'antenne, monsieur Ross. Coucou. Tout ce que vous venez de dire a été retransmis en direct. Justement, tout ça c'était une vaste blague. Parce que figurez-vous qu'en réalité, j'adore ce groupe Kitty Sections. Je les aime d'ailleurs tellement que j'étais sur le point de leur proposer de signer leur premier disque. Hein? Et ce sont eux qui vont conclure cette émission avec leur chanson. Je n'avais rien dit jusqu'ici parce que je voulais leur faire la surprise, mais c'était mon idée depuis les débuts. Dis, d'habitude, on défend les gentils contre les méchants, mais là, j'ai comme un gros doute. Tu es sûr qu'il n'est pas akumatisé? Non, malheureusement, il est comme ça tout le temps.
je dois filer, je vais me détransformer. À bientôt, mon chaton. J'aime tellement quand elle m'appelle comme ça. Tu as brisé la loi du silence, Ladybug. Mais fais-moi confiance, je te prépare une vengeance qui te laissera sans voix. Et maintenant, accueillons comme il se doit les Kitty Section. Lucas, dis, tu pensais vraiment ce que tu m'as dit quand t'étais akumatisée? Je suis désolée, Marinette, je me souviens de rien. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, non, rien. C'était pas important. T'étais sous l'emprise d'un akuma. Je sais pas trop ce que j'ai pu te dire. J'espère que c'était pas méchant. Parce que tu es une fille extraordinaire, Marinette. Claire comme une note de musique. Sincère comme une mélodie. Tu es la chanson que j'entends dans ma tête depuis notre première rencontre. C'était bien une déclaration d'amour, hein, Tiki? Oui, et une